Oh les gars, 8h02. Il est l'heure de se réveiller là, je crois. Et oui les gars, on commence la journée dès ce matin à 8h. Pourquoi ? Parce que dès hier en fait, j'ai mis un petit sondage. Je me lève à 8h ou bien grâce mat, bien évidemment, les gens ont répondu 8h. Je sens que cette journée, dès qu'il y aura un moyen de m'embêter un petit peu, vous serez là vous. Non, en vrai les gars, ça me dérange pas trop parce que moi j'aime bien me lever tôt. Bon bah les gars, là on se retrouve dans ma cuisine tout simplement. Vous allez décider ce que je mange au petit déjeuner, soit du sucré, soit du salé. Sachant que moi, chose que pas beaucoup de gens ne savent. Moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que je mange ça le matin. Je mange du salé les gars, je mange pas du sucré parce que le sucré j'ai arrêté, je faisais de l'hypoglycémie et tout. Voilà. Bon les gars, ça y est, j'ai reçu les résultats du premier sondage qui est le petit déjeuner. Moi, personnellement, ça me va bien. Vous m'avez mis du salé. Merci beaucoup. Bref, je vais cuisiner tout ça et on se retrouve tout de suite. Ah ouais, mais regardez-moi ça les gars, comme ça a l'air appétissant de fou furieux. Maintenant, on va déguster notre petit muffin anglais. J'en ai partout. Ah les gars, c'est une tuerie. Pour ceux qui veulent la recette de ce machin, cliquez là-haut. Ou là-haut, je sais plus. Bref, sur ce les gars, je vais continuer mon petit déjeuner. On se retrouve tout de suite pour la tenue que vous aurez choisie que je porte. Les gars, trop absorbé dans ma vidéo, j'en ai oublié mon cours de maths. Il reste vraiment 5 minutes de cours. Ah ouais, c'est chaud là. Du coup, je vais pas dire excusez-moi du retard, ça se fait pas. Ah, je suis bête. Bon bah, à ma plus grande surprise, non c'est faux, en vrai je m'en doutais tellement, c'est cette tenue qui l'emporte. Bon. Bah voilà, j'ai sorti les petites boucles d'oreilles, j'ai tout sorti. J'ai sorti la montre, la bague, les chaussures, tout ça, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je suis bien sapée quoi. Bref. On se retrouve pour la suite. Bon bah comme vous êtes des personnes assez sympathiques dans la vie, et bah les gars, je fais un devoir maison de mathématiques, voilà. Et vas-y, c'est parti hein. Les gars, je suis super contente, vraiment. Petit résultat du sondage. Vous êtes plutôt maquillage ou naturel? Vous êtes 62% à avoir voté naturel. Je suis tellement contente. Je m'y connais pas en maquillage, ok? On se retrouve pour la suite de ce 24 heures qui commence... plutôt bien en vrai. Le maquillage, je le redoutais, je l'ai pas eu. Merci. Bon bah les gars, pour le sport, pour le sondage du sport, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas en faire. Genre vraiment, ça fait une semaine non-stop que j'en fais parce que vas-y, petit programme et tout, c'est important. Je me suis dit, ils vont me laisser chill sur Netflix ou jouer aux jeux vidéo. Toujours pas. En fait, toutes les petites crasses qui peuvent bien m'embêter, vas-y, on te les met, allez. Bref, vas-y, je vais me changer. Attendez les gars, faut que je vous pose. Je vais faire une transition à la Sims, vous allez voir. Hey! C'est la magie du montage, oui, c'est magnifique. Oh, je me suis niquée. Oh, ça fait mal. Ah. Alors voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Routine sport lycée 10 minutes sans matériel. Oh, par contre les pubs ici, wow, on se calme hein. Après je vais être démonétisée. Non c'est vrai, je gagne pas d'argent. Know your enemy. Prepare mentally. Get the sticks in the weaponry. I'm a soldier. My blood is colder. And I'm shutting you down, it's over. I told you. I'm bringing the fire. I'm a live wire. Top of the top and we taking it higher. I feel the power now. I'm gunning for more. You ready for battle? Nah, I'm ready for war. Know who you fighting for. I'm ready for war. Yes! Oh. Bravo! Fier de vous. Team Shape, vous pouvez commander mon tapis de sport Team Shape. Il existe en orange ou en noir. Pour le commander, et merde. Je crois que... Ah, encore ça va, j'allais dire. Je crois que ma coiffure peut témoigner de cette violence sportive, mais ça peut encore passer. J'arrive même plus à tenir la cam avec un bras. Bref, les gars, je vous remercie pas pour le sport. J'avoue que j'aurais préféré chill, mais c'est pas grave, on va dire que c'était une bonne séance. Oh, pardon, mais là, j'ai trop mal au bras. J'arrive même plus à tenir ma cam debout, là. Bon,
On va passer au sondage suivant, qui est pour la bouffe de ce midi. Oh, j'espère que vous allez être sympa avec moi. Là, vraiment, vous m'avez achevé avec le sport. Bref, on se retrouve tout de suite. Les amis, je viens de penser à quelque chose pendant que je me rhabillais. Je me disais tout simplement, vu que je mange toute seule avec ma soeur ce midi, est-ce que je la mets dans la sauce avec moi? Je lui posais la question après quand elle arrive. Du coup, bah voilà, ça m'amuse, je vais lui demander après. Ouais, on va faire ça. Ok les gars, là, ma petite soeur, elle vient de rentrer. Ma petite soeur, mais... Bah si t'es petite. Petite soeur. Ma soeur, pardon. Vient de rentrer des cours et là, je vais te proposer un dilemme. Est-ce que tu participes avec moi ce midi? Oh non, attends. Oh. Ah ouais? Dommage pour toi, tu sais pas ce que tu loupes. Quoi? Non, vas-y. S'il y avait eu un repas, non, trop tard, t'as répondu. Bon les gars, on se retrouve pour le repas de ce midi. Tu me filmes là. Attends. Fais pas un aussi gros zoom. Bon du coup les gars... Non mais sérieux, des zooms. Bon du coup les gars, pour le repas de ce midi, on est à 50-50. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc on a décidé un truc avec Jade, vu que c'est un petit peu l'invitée d'aujourd'hui. Elle a décidé le repas de ce midi. Donc ce midi, au programme, on mange des nouilles chinoises à la saveur crevette. Ouais. Et enfin, évidemment, le des nuggets. Voilà. Mon bébé, quoi. Parce que les gars, faut savoir un truc, c'est que ma soeur raffole des nuggets, elle veut en manger tous les jours. C'est incroyable. Bref, on se retrouve quand ce sera prêt. Vas-y, fais ça. Et pour la dégustation. Vas-y. Ah ouais, ok, attends. Transition youtubeur trop stylée. Vas-y, un droit. Donc là, les gars, voilà notre assiette. Donc là, c'est celle de Manon. Voilà. Ego. Tu sais que mon pseudo, c'est Vinky, c'est pas Manon. Merde. Donc là, les gars, voilà mon assiette et celle de Vinky. T'as commencé? Tu m'as trahi, en fait. Bon, vas-y, goûte. Ah, dégustation. Ah, oh, c'est tellement chaud. Alors ça, c'est le karma. Oh ouais. Les pâtes, dis donc, est-ce qu'elles sont bonnes? Oui. C'est bon, hein. C'est trop bon. À toi, goûte. Vas-y, goûte un petit peu les nuggets. Toi, tu vas donner une petite note sur 10, même si c'est un repas super simple. Donc là, du coup, je vais donner une note sur 10. Moi, je dirais 8, parce que c'est quand même un repas simple. Enfin, c'est rien d'extraordinaire, mais je trouve que c'est très, 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 très bon. Je suis d'accord. On vient de mettre toute sur la télé, donc bon, voilà, chill des temps, petite télé au calme, on va manger tranquillement tout ça et on se retrouve pour la suite des sondages. On va voir si vous avez continué à m'en faire baver ou si vous avez décidé d'être un peu plus cool avec moi. Bon bah les gars, ma sœur vient de repartir en cours et moi, bah vous avez choisi pour la grande majorité que je devais faire le ménage. Donc tout ce qui est ménage, la vaisselle, regardez tout ce que j'ai à faire. Vous êtes pas sympa. En plus, attendez, j'ai cherché l'aspirateur partout, je ne trouve plus l'aspirateur. Je vais devoir passer le balai. Mais ça date depuis quelle année le balai? Moi, je passe plus le balai. J'ai le seum. Bref, j'y vais. Bon, bah voilà, la vaisselle est terminée. Vas-y, j'ai mal au dos, c'est chiant de faire la vaisselle. Bref, on se retrouve tout de suite. Bon, bah là, les gars, il est actuellement 16h08 et j'ai posté un sondage ce matin pour savoir si, tout simplement... Ça sent plus. Ok, attends, je me rapproche de toi. Vous voyez, là? En gros, c'est simple. Aujourd'hui, j'avais totalement oublié, mais c'est la Chandeleur. Et donc, je me suis dit, est-ce que je fais des crêpes? Bien évidemment, on est dans un 24 heures où vous devez décider ce que je fais. Et du coup, 79% des gens ont décidé que je pourrais faire et manger des crêpes. C'est carré, ça. Alors, maintenant, je sais pas ce que t'en penses, mais on va passer à la cuisine. Let's go. Donc là, les gars, on va passer tout simplement à la préparation des crêpes. Donc du coup, je disais, faut que tu mettes une pincée de sel dans la farine et faut que tu mettes le sucre. C'est bien comme ça. Ouais, vas-y. Donc maintenant, il va falloir que tu fasses un puits au milieu. Parce qu'après, il va falloir que tu y casses les œufs. On va voir si tu fais un perfect. Les gars, il y a 4 œufs. Waouh, un œuf. C'est gênant. C'est tellement. Hey, tu le gardes, hein. Les gens se foutent de toi. Même pas. Maintenant, commence à mélanger doucement. Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit. Bon, tu mélanges doucement. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter progressivement le lait. Encore beaucoup, encore. Progressivement, tu comprends pas quoi d'un progressif.
Bon, les gars, on a un peu galéré parce que le saladier, je confirme qu'il est un peu trop petit. Bref, il y a un tout petit peu de grumeaux, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Là, on finit de mélanger la pâte et ensuite, on passe à la cuisson. Donc, du coup, là, les gars, on va faire la première crêpe varicelle. Ah, bah, il faudra peut-être une sortir une assiette, hein, de la crêpe, on va pas la mettre sur ta tête. C'est vrai, t'es un peu bête, Manon. Malgré ce qu'on a fait tout à l'heure, les gars, la pâte, en vrai, là, ça sent super bon quand ça cuit. Oh hey. Oh, elle est pas mal, hein. Waouh. Ouais, là, elle est magnifique, hein. La tradition veut quoi, Jade? De sauter les crêpes. Effectivement. Ouais. On va essayer d'en faire un. J'ai trop peur. Moi aussi, j'ai peur. Ok. 1, 2, 3. Oh. Oh. Ouais. Ça va. Elle est jolie en plus, hein. Attends, j'en refais une. Vas-y. Hé, Zamba. Allez, encore une troisième. Elle ressemble plus à rien maintenant. Je crois que je me suis un peu trop. Non, mais j'ai cru que... Bon. En vrai, elle est belle. Eh, franchement, retourner crêpe, je gère ou pas? Ouais, ça va. En vrai, ça va. Bon, Jade, première crêpe, elle est faite. J'espère qu'elle est bonne. Et maintenant, ça va être à toi de faire ta crêpe. Parce que moi, j'ai beau faire les crêpes et tout. Ouais. Tu vas le faire aussi. Oula, j'ai failli dépasser. Ça va, t'as bien géré. 12 seconds later. J'ai fait un trou à ma crêpe. Mais comment tu fais? Comment tu les retournes? Oh non, elle était belle en plus. Voilà. Tu vas nous faire un retourné de crêpe avec ça? Bon bah Jade là, elle a envie de faire son retourné de crêpe avec sa crêpe cassée. Ça va faire des vues, ça. Attends, je me recule. Regardez notre crêpe, elle est trop bizarre. Essayer, oh bah c'est bon. Elle va mieux. Pile quand je filme, elle va mieux. Oh. Oh, elle est trop belle. Et bah voilà, c'est fini la cuisson des crêpes. Bon bref, on va passer à la dégustation. Perso, je vais mettre de la pâte à tartiner et voilà. Ah, c'est trop bien. Le chocolat, il va être tout fondant à l'intérieur comme c'est chaud. Tu vas me dire ton avis. C'est pas bon. Très bonne, non mais... J'ai à peine croqué dedans, j'ai senti un goût de cramé, c'est pour ça que j'ai rigolé. Non, par contre, elles sont très bonnes. Oui. Bon, bah les gars, comme l'indique le sondage, vous voulez que je dépense mon argent? J'ai hésité longtemps à craquer et tout. Et vas-y, le sondage, ça m'a grave aidé, du coup j'ai craqué. Bon, en vrai, les gars, je vous ai totalement menti, je l'avais acheté. Mais c'est pour confirmer que j'avais pas des goûts nuls, t'as vu, genre... Bon, vas-y, je cesse de blablater. Je viens tout juste de recevoir le colis, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble. Ce pull, franchement, ça fait déjà un moment que je l'attends. Je trouve qu'il a... Il a du charisme, ce pull. Ouh. Oh là 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 là. Il claque sa mère, les gars. Regardez-moi ça. Oh, il est juste trop beau. Pa, 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 pa. Oh ouais, par contre, il me paraît super grand. Voilà ce que ça fait déplier avec la petite capuche. Bon, je vais tout de suite l'essayer, les gars. Bon, en fait, il est un peu trop large. Ok, bah voilà ce que ça donne. Niveau longueur de manche, c'est très bien. Cependant, les gars, il est un peu oversize, on va dire. Mais en vrai, c'est grave carré. Bon, bah les gars, là, pour clôturer la fin de cette vidéo, hier soir, je vous ai posté un dernier sondage, un sondage bonus, dans lequel je vous faisais encore plus participer que vous ne le participiez déjà. Oh, vous avez compris. En gros, c'est très simple. Je vous ai proposé de donner une idée de défi ou quoi que je pouvais réaliser. Il y a eu plusieurs idées pas mal et j'ai dû en sélectionner deux que j'ai mis en opposition. Donc là, les deux défis que j'avais sélectionnés étaient « Je dors en tente dans mon jardin » et deuxième idée, « Mettre une grosse couche de vêtements et faire du sport avec ». Donc là, on va regarder en direct ce qui a gagné. Et donc du coup, je dédierai une vidéo spéciale à l'une des deux idées qu'il aura emporté. Bon allez, c'est parti, hop. Ah oui. En vrai, les gars, c'est serré. Du coup, le défi qui l'emporte, c'est « Je dors en tente dans mon jardin » avec 62%. Bien évidemment, je ne suis pas folle. Je vais pas faire ça cet hiver alors qu'il pleut, etc. J'attendrai un petit peu que le temps se passe, qu'on soit en printemps, été, enfin, tu vois. Bien évidemment, je vais pas faire juste « Je dors dans mon jardin ». Il y aura des activités, je vais préparer toute une grosse vidéo derrière ça. Et je pense que ça va être pas mal. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On est bien
bientôt 700. On est bientôt au 1K en vrai. Non mais quand y pense, c'est énorme. Merci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Perso, j'ai kiffé la tournée. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Attendez, j'ai envie d'essayer une nouvelle outro là. Bye bye. C'était nul. My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.